Salut les montagnards, aujourd'hui je vais vous parler des chutes de Sérac et est-ce qu'on peut vraiment les éviter en partant tôt? Et c'est une question que je me posais en fait, je pensais qu'au début on partait tôt parce que justement pour éviter que des Sérac nous tombent sur la gueule. Donc les Sérac c'est des espèces d'énormes blocs de glace qui font parfois la taille d'un immeuble et qui se décrochent parfois de manière un peu aléatoire et si vous êtes en dessous... Ça peut piquer un peu quoi. Donc en général on essaye d'éviter d'être en dessous des Sérac. On essaye d'éviter les endroits qui sont exposés. En général on dit qu'un passage est expo soit quand la pente est très raide, soit quand il y a des chutes de Sérac ou des corniches qui peuvent vous tomber un peu sur la gueule. Et en fait la réponse à la question de est-ce qu'on peut vraiment éviter les chutes de Sérac, c'est bah non. Les chutes de Sérac ne dépendent pas trop du moment de la journée auquel vous partez. C'est-à-dire que les Sérac, en fait, c'est le glacier qui avance. Et du coup, il est complètement indépendant du soleil. Il va être peut-être dépendant du réchauffement climatique parce que c'est un phénomène qui est global. Et du coup, ça va faire fondre la glace de manière assez profonde. Mais il n'est pas tellement dépendant des horaires de la journée et du coup de l'intensité du soleil. Donc la raison pour laquelle on part tôt en montagne, c'est pas à cause des chutes de Sérac. Et si vous pensez que vous pouvez les éviter en partant plus tôt, et ben il y a fortes chances pour que vous vous trompiez. Par contre, c'est vrai qu'on part tôt en montagne pour d'autres raisons, et ça c'est vraiment capital. Donc continuez de partir tôt malgré tout. C'est pour les ponts de neige. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un glacier, souvent il y a des ponts de neige qui sont au-dessus des crevasses et ces ponts-là, ils fondent avec l'effet du soleil. Et donc, si vous rentrez trop tard, genre 15h par exemple, et ben, ils peuvent être fragilisés et vous pouvez donc tomber dans une crevasse. Et bon, c'est à éviter quoi. Donc en général, on essaye de partir tôt pour ça. On essaye aussi de partir tôt à cause des avalanches parce qu'il y a plus d'avalanches dans l'après-midi avec la neige qui se réchauffe et donc qui fragilise le manteau neigeux que... dans la matinée où la neige est encore bien solide. Donc continuez de partir tôt, mais faites très attention aux Sérac. Ne pensez pas que parce que vous êtes parti de nuit ou très tôt le matin, les Sérac ne peuvent pas vous tomber dessus. Donc restez bien prudent et mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Ciao !